exemple, sur un tempérament sont progressives, quintes progressives. Donc il y a des battements et tac tac, ça augmente suivant quand on va dans les aigus. Et là, du coup, on n'a pas du tout ce truc-là. Là, voilà, les quintes sont toutes pures, sauf donc 4. Et puis bah, après, t'as toutes tes tierces, elles sont pas progressives non plus. Enfin, tout s'emboîte complètement différemment. Ouais. Les sons naturels, les harmoniques, ça n'a rien à voir avec l'accordage du piano d'aujourd'hui. Super intéressant parce que bah, on se retrouve avec un truc qui est complètement, enfin, comme si on l'avait oublié. Il y a cette sensation là, je trouve, qu'on avait ce tempérament là, ces choses là, et on les a laissées un peu de côté pour pouvoir jouer plein de choses dans différentes tonalités, et d'un coup on revient un peu au sous, entre guillemets. Ce mi là, mais que tu joues en la, ça fait une quinte basse, mais la quinte basse elle est moins belle que la tierce basse. Donc en do t'es bien, mais en la t'es moins bien. Ton piano avec des intervalles qui sont faux en fait. Oui. Oui. Je veux dire, ils sont faux naturellement, mais ils sont aussi faux mathématiquement. Oui. Donc tout est faux dans un piano égal. Attention, donc désordre des choses en tempéré, donc complètement en désordre. Take one.